أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنطرق دروس الفيزياء بالنسبة لي للتالتة إعدادي أوبسيون فرونسي، يعني بيوف. غنتكلم اليوم على التأثيرات الميكانيكية على القوى بصفة عامة. أولا سنطرق الجزء الأول من القوى، دونك كيسكوسيك لي فورس entre parenthèses les actions mécaniques. Donc غنطرقوا بعد التمارين. بدايه غنديروا واحد ملخص صغير حول القوه. دونك كيس كو سي كان فورس. دونك ان فورس سي اون اكسيون ميكانيك لورسك ان اوبجي اجي سور ان اوتر اوبجي. دونك لوبجي كي اجي ايت ابلي لاكتور. Et celui qui reçoit l'action mécanique est appelé le receveur. Donc, une force se manifeste par ses effets. Effet statique et effet dynamique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un effet statique? Donc, la force ou l'action mécanique peut produire la déformation d'un objet, ou participe à son équilibre, on peut dire c'est pour trouver l'équilibre ou pour maintenir le corps en équilibre. Et bien aussi un effet dynamique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un effet dynamique? La force peut provoquer le mouvement d'un objet ou modifier sa vitesse ou sa trajectoire, on peut mobiliser cet objet. Donc c'est trouver une donner une mobilité à un objet. Donc il y a plusieurs types de forces d'action mécanique. Donc il y a les actions mécaniques de contact et les actions mécaniques à distance. Donc, les actions mécaniques de contact sont deux types, soit contact, soit sous contact localisé ou contact réparti. Mais quelle est la différence entre contact localisé et contact réparti? Un contact localisé, lorsque l'acteur et le receveur sont en commun à une zone, cette zone est assimilée à un point. Donc la zone de contact est presque très petite, presque un point. Donc elle est assimilée à un point. المؤثر المؤثر عليه كيكون في واحد النقطة قريبة لنقطة، يعني تي بونكتويال، نقطة نقطية يعني. دونك لا زون دو كونتاكت اي سو في سور ان زون تري بتيت دو ديمونسيون دي ديمونسيون تري بتيت. اي كيسكو سيك ان كونتاكت ريبارتي. Donc, contact réparti sur une surface importante. Donc, le contact se fait sur une surface importante. Il y a aussi des actions mécaniques à distance. Donc, il existe des actions mécaniques à distance sans contact entre l'acteur et le receveur. On les appelle des actions mécaniques à distance. Comme l'action de pesanteur, action mécanique, par exemple un aimant agit sur un clou à distance. Donc il y a d'autres actions, comme il y a des actions comme les actions électrostatiques entre les charges positives et négatives. Et donc il y a ce qu'on appelle des actions électrostatiques. Il y a plusieurs actions
ميكانيك. نعرف حاجتي بلغة العرب. دونك بالنسبة لهذه القوى، القوى ممكن أن تكون قوى كما كنقولوا تماس، بتماس. هذا التماس قدر يكون لوكاليزي، دونك موضع في واحد الموضع واحد، موضع أو موزع، دونك ريبارتي. دونك مثلا تفطر فوق طاولة، دونك مساحة التماس بيناتهم، دونك لا زون دو كونتاكت، اي لي دو بلوزيور بوان. دونك لو كونتاكت يعني مساحة كبيرة، دونك بيناتهم واحد النقط مشتركة بيناتهم، دونك يتماسون في واحد النقط كتيرة. دونك لا زون اي دو ديمونسيون اسي امبورتون. Donc, on passe à ce petit exercice. Ce petit exercice. Donc, premièrement, choisir le mot juste. Donc, le vent exerce sur les voiliers une action à distance ou de contact. C'est une action localisée répartie. Donc, quelle est la bonne réponse? Donc, la chute du corps est dû à une action mécanique à distance ou de contact. Donc, il est là. Quel est le mot adéquat ici? Donc, c'est une action localisée ou répartie. Donc, une action mécanique peut changer la forme ou la couleur d'un objet. Donc, quatrièmement, une action mécanique peut modifier la masse ou la vitesse d'un objet. Donc, on répond à cette question. Donc, le vent exerce sur les voiliers une action à distance ou de contact. Donc, le vent est toujours exerce des forces de contact. Donc, une force de contact. Donc, on va barrer ça. Donc, de contact. Donc, c'est une action localisée ou répartie. Donc, c'est une action réparti. Donc la zone est très grande entre le vent et l'objet. Donc c'est une action répartie. Donc on peut barrer, c'est localisé. Donc deuxièmement, la chute du corps est due à une action mécanique à distance ou de contact. Donc la chute du corps, donc il y a la chute, ce qu'on appelle la gravitation. La gravitation universelle entre les corps et la Terre, par exemple. Par exemple. Donc la chute est due à une action mécanique à distance. On peut barrer de contact. Donc c'est une action localisée ou répartie. Toutes les actions à distance sont des actions réparties. Donc, ce sont des actions réparties. Donc, on choisit répartie. Donc, une action répartie. Troisièmement, une action mécanique peut changer la forme ou la couleur d'un objet. Donc, elle peut changer la forme. C'est le but de cette action. Donc, peut changer la forme, ce n'est pas la couleur d'un objet. Quatrièmement, une action mécanique peut modifier la masse ou la vitesse d'un objet. Donc, peut modifier la masse ou d'un objet. Donc, dans ce cas, ici, donc une action mécanique peut modifier, donc elle peut modifier la vitesse d'un objet. Donc on peut barrer c'est la masse donc d'un objet. Donc, on passe au deuxième exercice. Préciser l'acteur et le receveur. Premièrement, la maman porte le panier contenant les légumes. Les légumes. Donc, la maman, c'est l'acteur. Donc, la main de la maman qui agit sur le panier.
Donc, porte le panier contenant du légume. Donc, c'est le panier, c'est le receveur. Donc, le receveur, c'est le panier. Deuxièmement, donc, les petits bouts de papier sont attirés par la règle. Donc, la règle, c'est la règle en plastique frottée contre les cheveux. Donc, la règle, c'est l'acteur. Et les bouts de papier sont le receveur. Donc 3. En tombant, la pierre est attirée par la terre. Donc la terre, c'est l'acteur et la pierre, c'est le receveur. Donc le vent gonfle la voile du bateau. Donc il gonfle la voile du bateau. Donc c'est qui fait l'action, c'est l'acteur. La voile, c'est le receveur. Et cinquièmement, et la dernière proposition, si la baie en acier est attirée par l'aimant. Donc, l'aimant, c'est l'acteur, la baie, c'est le receveur. Donc, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.